As Prophet T.B. Joshua prays for individuals in the name of Jesus Christ, the evidence of God's mighty presence is clear. The people move and fall against their will under the mighty anointing of the Holy Ghost. Everything that was in the dark is exposed, including the demons operating in their lives. Qui as-tu? Ses ancêtres! Tu as qui? Son famille! Et toi, qui es-tu? I'm the ancestral spirit of the family. Qu'est-ce que tu as fait à sa carrière? Ah, lui, c'est qui? Hein? C'est lui qui me... Ah! Qui es-tu? J'en ai après lui! Hein? J'en ai après lui! I want to fight him! Oui, j'en ai après lui! Qu'est-ce que tu as fait à sa carrière? Sans Jésus! Sans Dieu! I'm after sans him! Sans Dieu! Him and his Jesus! J'en ai après lui! Qu'est-ce que tu as fait à sa carrière? Tout! Comment tu je vais la tuer! I want to kill her! Je vais la tuer! Tu en je vais la tuer! Comment depuis tu en es? Bébé! I since bébé. Birth! Since birth! Bébé. She's mine! She's mine! J'en ai après I toi! I want to fight you! J'en ai après toi! I want to fight you! J'en ai après toi! Je la contrôle! Je la contrôle! I control je la her. Contrôlerai toute ma vie! Toute ma vie! Toute ma vie! I control our thoughts. I control our thoughts. I control our thoughts from all our lives. Jamais. She will never succeed. Elle ne réussira jamais. She will never succeed. Essayez de la délivrer. I've tried to deliver her. Essayez-moi. Jamais. But never I will jamais. Leave her. Elle est à moi. Elle est à nous. She's mine. She belongs to us. Elle fait partie de nous. Elle fait partie de nous. Please. Comment est-ce que tu le dis? Qu'est-ce que tu lui as donné de faire? Qu'est-ce que tu lui as donné de faire? Des choses. Hein? Des choses impures. Je la tourmente. I torment her. La nuit. Night and day. Elle n'est pas en paix. She's not elle at peace. Brille. Prophet T.B. Joshua delivers the woman in the name of Jesus Christ, casting out the evil spirit behind all her afflictions. She is free. Bonjour à tous, je m'appelle Karina Florent, j'habite à Paris en France et je suis originaire de la Guyane française. So her name is Karina, she's living in Paris, France, and she's originally from French Guyana. Je suis ici, comme vous avez pu le constater, pour rendre témoignage pour la gloire de Dieu, ce qu'il a fait dans ma vie. So I'm here, as you saw it on the video, I'm here to give a testimony for the glory of God, for what he has done in my life. Donc, tout a commencé à l'âge de 5 ans, quand mes parents se sont séparés. J'ai quitté la Guyane avec ma mère, je suis arrivée à Paris. Mais étant petite, ils avaient l'habitude, chez nous, de faire des rituels avec des bains, des feuilles, se laver le corps, les cheveux, etc. Donc, et ma mère faisait partie d'un groupe de carnaval, et donc j'étais initiée tous les week-ends, etc. Ensuite, je suis arrivée en France, et à l'âge de 15 ans, j'ai décidé de repartir vivre en Guyane, et c'est là en fait où tout a commencé, où l'esprit s'est manifesté, où j'ai eu ce désir en fait pour les hommes, la convoitise sexuelle, une attirance que je pouvais pas contrôler, donc je les attirais en fait, l'esprit qui était en moi attirait les hommes par un simple regard. Il suffisait que je fixe un homme dans les yeux. En fait, en le fixant, je voulais son approbation. Et dès que je sentais qu'il était OK, eh bien, il y avait contact. Il y avait contact physique, rapport sexuel, etc. So she said that everything started in her life when she was around 5 to 6 years old. She said that in the family she's coming from, they used to perform some rituals and they used to do it for herself. They would prepare some concoction and put it in some water and liquid and they would be bathing her with those concoction and those liquids to be washing her body. But she never knew what was the purpose of these rituals. And she said when she was 8 to 9 years old, she now moved from French Guyana to Paris, France. And when she was 15 years old, she now decided to go back to French Guyana, and that is how the spirit started manifesting within her, starting developing that spirit of lust towards men. And she said that any man she would be looking at, as long as they are an eye contact, the man would be following her to be sleeping with her. Ensuite, donc je suis après, donc je peux même pas vous dire en une année où j'ai vécu là-bas combien d'hommes j'ai eu des relations.
Voilà, j'ai sorti en boîte de nuit, j'ai commencé à boire de l'alcool, à fumer. Enfin, j'étais dans la débauche totale à cet âge-là déjà. Ensuite, je suis repartie donc en France. Et l'âge de 17 ans, donc j'étais livrée à moi-même. Donc j'ai vécu en foyer, suivie par une éducatrice. J'ai continué depuis belle, aller dans les boîtes de nuit, les clubs. J'allais aussi, puisque chez nous, en fait, on a une tradition qui est la danse, le carnaval. Donc en fait, c'est des dancing où les femmes se déguisent de la tête aux pieds, masquées. Et voilà, et donc du coup, c'est des dancing où on invite les hommes à danser. Et en fait, dans ces clubs en question, on pouvait être malade toute la semaine, jusqu'à la dernière minute, avoir de la fièvre, une grosse maladie. Mais quand l'heure arrivait de la soirée, eh bien, tout le monde était guéri et il y avait comme l'esprit nous poussait en fait à sortir et on se retrouvait en fait dans ces clubs. So she said that on that time when she was 15 years old and she went to French Guiana, she started sleeping with so many men in one year that she cannot even count how many men she was sleeping with in that one year because she was having that spirit of lust that was controlling her. And she said that when she went back to one year later, back to Paris, France, she said that she went and even became worse. She started going to nightclub, started dancing, smoking, drinking, and sleeping with different men, different eye contact that she would have. She would be sleeping with men, and she started living this life of immorality. She says there's a tradition in the country in French Guiana where you join a group of carnival and you'd be wearing some mask, be dancing. And she tried that she joined this group when she went back to Paris, France. Voilà, donc je vous montre où je me situe. Donc je suis ici. Donc ça c'était mon groupe en fait de carnaval. Donc moi je me trouve ici. Donc voilà, je vous montre un peu comment ça se passe. Les femmes qui invitent les hommes, et je suis ici aussi avec mon groupe toujours. Et donc voilà, c'était dans ces clubs, en fait, on était comme envoûtés, comme possédés, comme voilà, il y avait un esprit là-bas qui se passait où il y avait contact en fait avec le regard, puisque du coup on voyait que nos yeux, et contact physique avec la danse, et par la suite, voilà, donc. Ça m'a poussé, l'esprit m'a poussé en fait à coucher avec des hommes, etc., que je pouvais rencontrer dans ces clubs. So she said that this is the kind of group that she joined. You can see those people wearing masks, like a masquerade group. And she said that in joining them, she would be like possessed and she would be dancing with men and there would be eye contact because they can only see their eyes. And at the end of the day, the only thing after that is just to be sleeping with men. And she said that joining this kind of group, what is very funny is now that she realized that she was really possessed. She said that during the week, she can be very sick and very down. But when it is time to wear this kind of mask and wear this kind of attire and mask on her, she said that the sickness will just vanish and she will feel very well and very strong to perform those kind of rituals and at the end of the day be sleeping with many men. Voilà, et donc en plus de ça, comme je disais précédemment, donc j'allais dans les clubs, j'étais comme une princesse. Quand j'arrivais, je connaissais tout le monde, je pouvais avoir les hommes que je voulais, même les hommes en fait qui ne m'intéressaient pas, je comprenais pas à quel moment bah, ils étaient dans mon lit. Et voilà, l'esprit m'a poussé à faire à rencontrer aussi des hommes que je peux appeler des démons, parce que c'est des hommes en fait que je voyais que la nuit. Lorsque j'arrivais chez eux, je pouvais pas ouvrir les volets parce que c'était vraiment un esprit. Ils m'ont forcé à faire des choses impures, comme boire, comme la pornographie, la masturbation, utiliser des objets, sentir des substances, uriner sur eux, enfin plein de choses impures. So she said that she became like a princess in nightclub, that at the time when she goes to nightclub, they know her so well that she doesn't pay for anything anymore. She will be drinking for free, smoking for free. They will be giving her things. All the men will be coming around her. And she can't count how many men she has been sleeping with. And see that this kind of men that she used to meet, she knows that they are men in the occult men. Many at times they are like demons because she always meeting them in the night. Even when she is about to sleep with them, to always be in the dark. They don't want the light to be on. To be always in the dark. They will be asking her to do so many different things. Some will be asking her to be urinating on them, or even masturbating them, or using some objects to be sleeping with them. A lot of different things that demon has made her to do that naturally any normal human being would not do. And she realized that really it was a life of immorality that she was living.
Et cet homme en question que j'ai rencontré, donc je suis pas attirée vers les femmes, mais donc avec l'alcool et l'emprise qu'il pouvait avoir sur moi à cette époque, donc a fait en sorte que j'ai eu des relations, donc une relation avec une femme, avec lui, etc. Donc voilà, pour montrer à quel point l'esprit me dominait et je faisais en fait des choses sans même m'en rendre compte en fait. J'étais contrôlée complètement. So that spirit made her to even sleep with men that maybe she would be attracted with, and even men that she would not even think of looking at, men that she would not even be attracted to, and she would be sleeping with them, to tell you that that spirit would not even choose whoever she would be sleeping with, whoever would come her way, she would be sleeping with them. And she said that really that thing has really affected her to the point that even she met a man one day that introduced her to sleep with another woman. That is how she never have attraction for women, but that day, that man introduced her to sleep with another woman. That is how the spirit has really destroyed her life. Voilà, donc je me suis percée aussi. Donc j'avais un piercing à la nuque, un piercing au labré, au nez, et j'allais continuer à en faire d'autres si ce n'était pas la grâce de Dieu. She said that spirit even caused her to even pierce her neck. She was having a piercing in her neck, a piercing on her nose, and a piercing too just on the lower part of her lips. And if she's not God that really rescued her, she would have been having a lot of piercing all around her body. Également les cheveux. Donc j'avais les coupes, les cheveux rasés, les cheveux rouges, voilà, en forme de poule. Tout un tas de... She said that if she, that spirit would even make her to have different kind of hairstyle, red style, even shaved on the side, different kind of style that even any normal human being would not have. Like she would sometimes look like a chicken, but she, just that evil spirit would make her to do different kind of hairstyle. Et donc quand je cherchais vraiment ma délivrance, donc comme j'avais l'habitude étant plus jeune d'aller consulter les voyants avec ma mère, donc j'ai continué en fait à appeler donc les cartomanciens, les voyants, qui m'ont fait faire donc des rituels également, des prières avec des bougies, avec la Bible, avec de la, enfin plein de substances, du plomb sur le corps. Enfin voilà, j'ai fait plein de choses pendant des années pour essayer de m'en sortir, mais plus j'allais voir ces personnes-là, et plus ça empirait. Plus j'avais des dettes donc financières, je n'étais pas épanouie, prête à la dépression. Je vivais vraiment une vie, j'étais vraiment dans le noir, dans les ténèbres profondes. And she said that because of this problem, she was seeing that she was really falling down. She's used to those rituals that they used to do to her when she was small. So she was consulting witch doctors, different seals to get solutions to her problem. And they'll be giving her different concoctions to drink, things to use for her body, different things to be doing. And at the end of the day, she'll become even worse and worse in the immorality that she was living. So now, can you explain to us now, how did you get to know about the Synagogue Church of All Nations, and how did you come to receive your deliverance? Maintenant, comment est-ce que vous avez entendu parler de la Synagogue Église de toutes les nations, et comment vous êtes venu pour votre délivrance? Donc, j'ai entendu parler de la Synagogue de toutes les nations. Donc, quand j'étais à Paris, j'ai commencé à prier donc avec Emmanuel TV, avec le prophète, et donc je priais le Seigneur qu'il puisse me délivrer de cet esprit qui me liait en fait, puisque ça m'a apporté voilà de la stagnation professionnelle, enfin tout un tas de choses. Et je bénis Dieu qu'il ait permis que je puisse être ici aujourd'hui afin de pouvoir rendre ce témoignage. So she said that when she saw that this problem has really brought different kind of problem around her life, she was into debt, she was not succeeding professionally, everything was not working around her, she was really in the dark. She started watching Emmanuel TV on the internet, she discovered Emmanuel TV on the internet, and started praying with the man of God, Prophet Joshua, and she realized that she needed to come to receive a deliverance. So when you came and the man of God, Prophet Joshua, prayed for you, what happened when you came? Quand vous êtes venu, l'homme de Dieu a prié pour vous, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le prophète s'est arrivé de moi, j'ai senti déjà quelque chose dans mon corps, je sentais une future manifestation, et en effet, son toucher, en fait, c'est quelque chose de je ne peux même pas l'expliquer, c'est quelque chose de fort, et l'esprit s'est manifesté aussitôt. Voilà, quand je regarde la vidéo, je vois à quel point l'emprise que l'ennemi avait sur moi était énorme. Cet esprit ne voulait me dominer, ne voulait pas me laisser partir, parce que par rapport à, comme je parlais de ce rituel en fait, ça se transmet en fait de génération en génération, de mère en fille, et voilà, arrivé à mon niveau, donc cela s'arrêtait complètement par la grâce de Dieu, et maintenant je suis libre, car je crois que par la prière de l'homme de Dieu et son toucher, je suis maintenant libre, je vais pouvoir vivre enfin la vie selon Dieu.
So she said that when the man of God was coming towards her to pray for her, she said before he even came in front of her, she was feeling that sensation, that vibration into her body. And when the man of God touched her, she really felt the she saw on the video how she reacted, and she said that she really realized how Satan has been using her and has been living into that body, into her life, and how Satan has been destroying her life. And she realized that really that rituals that they used to do for her when she was small was transmitted to her from generation to generation, as the spirit said that it was an ancestral spirit. We said after the man of God, Prophet Bishwa, touched her and the spirit manifested, she's now feeling so free and she's feeling fine. Let's clap our hands for our Lord Jesus Christ for what God has done in the life of this lady. So now that you are feeling free, you are feeling so fine, can you tell us, do you still have desire to sleep with men as you look around? Do you still have that eye contact, all those bad dreams you used to have, are they still there? Maintenant que vous êtes sentez libre, est-ce que vous avez toujours ce désir de coucher avec les hommes, ce contact avec les yeux, ces cauchemars que vous aviez, est-ce que vous êtes maintenant libre? Maintenant je suis libre, libre. Plus d'envie, plus d'hommes dans ma vie, plus de, voilà, tout est fini. Boire de l'alcool, plus d'envie de boire de l'alcool, fumer, voir les hommes, plus rien. She said that she's totally free. She doesn't have any desire to sleep with any man. She doesn't have any desire to drink or to smoke. No more bad dreams. She's completely free for the glory of God. Let's clap our hands for our Lord Jesus Christ. She has been removed from the kingdom of darkness into the kingdom of light, and we give thanks to God for her life today and for what the Lord has done in your life. What is the advice you have for young ladies, young people like you that may be facing the same situation and don't know how to go about it? Maintenant que le Seigneur vous a guéri, qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes filles, aux jeunes comme vous qui sont peut-être dans la même situation et ne savent pas comment s'en sortir? Quel est le conseil que vous avez pour eux? Alors j'ai trois conseils donc à donner aujourd'hui. Donc le premier s'adresse à toutes les filles des îles. Voilà, qui pensent que les danses, le carnaval sont une simple tradition, mais détrompez-vous, car derrière cela, il y a un esprit caché, qui est un esprit démoniaque en fait, qui vous envoûte et qui vous pousse en fait à des vices cachés. So she says she has three advice for people. She said, first of all, she would like to advise young ladies coming from the islands, especially, you know, when you have going for, you are going for traditional dance and things like carnival, don't see it as something very light, but see that there's a spirit behind it, a spirit that will possess you to go and do those hidden vices. Deuxième conseil, toutes les filles aussi qui ont pour amis, on va dire, le miroir, c'est-à-dire qui prennent soin de leur corps, qui pensent que la beauté est une fin en soi, sachez que sans le Seigneur Jésus dans votre vie, votre beauté n'a aucune valeur. She said that she also wants to tell young ladies, that is the second advice, that sometimes don't let the mirror deceive you. Don't believe that maybe because you are beautiful and you are well made, that without our Lord Jesus Christ, this beauty is nothing. Et troisième conseil, s'il vous plaît, les réseaux sociaux, libérez-vous des réseaux sociaux, car un enfant de Dieu ne peut pas être dépendant des réseaux sociaux, tout ce qui est Facebook, Instagram, etc. Là aussi se cache un esprit puissant qu'on ne soupçonne pas. Donc s'il vous plaît, libérez-vous de ces réseaux sociaux. And she said that a third advice is also for the young people. All these social media, please get free from these social media. That many a times there are spirits behind it that will possess you. You'll find yourself doing what you don't want to do. So please be careful of social media. So that is the three advice she has. And we pray with her that God Almighty will give her the grace to maintain that deliverance that she received in making God's word the standard for her life in the mighty name of Jesus Christ. Nous prions que Dieu puissant vous donne la grâce de maintenir votre guérison, votre délivrance, vous donne la parole de Dieu, le standard de votre vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux dire merci au prophète Tibi Joshua, lui dire merci pour son hospitalisé, lui dire merci pour son amour, la dévotion qu'il a pour les autres, lui dire merci qu'il ait permis que je puisse rester une semaine de plus, mon billet d'avion, je sais que ce n'était pas évident, que je puisse voilà, rendre ce témoignage pour la gloire de Dieu. Et dire aussi que le Seigneur Jésus, en fait, ne force pas. Il est derrière votre porte. Il attend qu'une seule chose, c'est que vous lui ouvrez la porte afin qu'il fasse ce qu'il a fait dans ma vie. Il est capable. L'Éternel est vivant. Et l'âme de son serviteur, le prophète Tibi Joshua, est vivante. Emmanuel. Emmanuel. So she said, she wants to thank God for the life of Prophet Tibi Joshua, for the love that he showed to her, for the hospitality, for giving her to allow her to even stay one more week and be in the presence of God and be able to give that testimony today. And she wants to tell everybody that please, the Lord is not far from you. He's just behind the door. You just need to open that door for him to step in and do the same thing that he has done for me. He will do it in your life in the mighty name of Jesus Christ. Let's clap our hands for our Lord Jesus Christ.